Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une imprimante en plastique. Une imprimante imprimée en PLA, pour être plus précis. Mais avant de commencer, si vous avez l'intention de la fabriquer, cette imprimante-là, vous pouvez aller sur le site rockprint3d.com. Vous allez avoir tous les détails pour la fabrication de l'imprimante. Ça fait déjà un bon bout de temps que je travaille sur cette imprimante-là. Puis, j'ai décidé de l'appeler Caméléon parce que mon premier prototype, c'était une imprimante qui était faite de toutes sortes de filaments, des restants de filaments que j'avais de toutes sortes de couleurs. Donc, ça a donné ce que vous voyez présentement. Maintenant, on va regarder en gros l'assemblage de l'imprimante. Ça va passer assez rapidement quand même. On en a pour environ 2 minutes. Par la suite, moi, je vais imprimer un Benchy avec ma Ender 3 et un Benchy avec la Caméléon. Ça va être le même G-code que je vais utiliser pour les deux imprimantes. Puis, à la fin, on va pouvoir comparer les deux. Alors, on y va avec l'assemblage de l'imprimante. Et voilà, l'imprimante est assemblée. Je vais juste vous dire par rapport aux axes, pourquoi est-ce que ça imprime droit? C'est quand même du plastique, c'est pas parfait. Ça fait vraiment du bon travail. Mais ce qui fait que c'est droit, c'est les tiges filetées. Bon, ça se vend en bord de 3 pieds généralement, 1 mètre. Et puis,
J'en insère 4 tiges filetées à l'intérieur de chaque raille. La raille du Z, la raille du Y et la raille du X. C'est ces petites barres-là qui font que je peux ajuster les courbes. Pour ce qui est de la console électronique, on n'en parlera pas beaucoup. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette console-là. Si vous êtes capable d'assembler cette imprimante-là, j'ose imaginer que vous êtes capable de faire vos connexions. Alors, à l'intérieur de cette console, on a un power supply, un fan de 120 mm, un contrôleur RAMP 1.4, les step drivers sont des TMC 2208, un Arduino Nano, un MOSFET et un Raspberry Pi 3. Encore une fois, si vous avez l'intention de la fabriquer, cette imprimante-là, vous allez aller sur rockprint3d.com. Vous allez avoir tous les détails qu'il faut pour l'assembler. Et voilà, c'est tout pour l'imprimante. Maintenant, on va regarder les tests. Qu'est-ce que ça a donné? On a imprimé les deux Benchy. Et j'ai imprimé aussi deux autres tests différents pour pouvoir comparer la Caméléon avec la Ender 3. Bon, OK, je me suis fait un peu de place. Maintenant, on va parler du Benchy. J'ai imprimé le Benchy de la Ender et celui de la Caméléon. Honnêtement, les deux sont vraiment, vraiment très beaux. La Ender, c'est un peu plus beau. Ce que la Caméléon fait, c'est un peu de ghosting, un peu. Après avoir imprimé les deux Benchy, c'était pas très concluant comme test parce que les deux se ressemblent tellement que je me suis dit, OK, je vais faire un step plus haut. On va aller voir jusqu'où on peut aller. Alors, j'ai imprimé les tests. Je les ai fait faire des courbes, tout simplement. Que ce soit la Ender ou que ce soit la Caméléon, encore une fois, j'ai pas vu de grosses différences majeures. Donc, je me suis dit, OK, on va aller un step plus haut. Là, on peut voir les différences. J'ai imprimé, ici j'ai la Caméléon, ici c'est la Ender. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Je vous dirais que la Ender que j'ai, elle est d'origine. Je n'ai pas fait de changement, je n'ai pas ajouté un fan pour refroidir le filament, j'ai rien fait du tout. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu désavantagé à ce niveau-là, seulement pour le refroidissement du filament. Parce que, comme on peut voir sur la Ender, pour ce qui est d'imprimer sur les longues distances, on a un petit problème. Le filament devient trop chaud, puis il fait comme tomber. Il courbe un peu. Même affaire dans le haut pour ce qui est de, on va dire, le plateau. On voit que ça descend un petit peu. Alors, l'Ender, à ce niveau-là, elle a un peu de problème. Mais pour ce qui est des angles, elle fait vraiment du très beau travail. La Caméléon, pour ce qui est des longues distances, elle fait vraiment du bon travail. Pas de problème, autant sur le plateau, que sur le bas de la pièce. Par contre, ici, on peut voir que, rendu à 15 degrés, on a un peu de filaments qui n'ont pas tenu sur la pièce. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être juste un ajustement. Maintenant, ici, on a nos, on va dire, les pitons. Hein? À l'intérieur, là, si j'appuie dessus, il est censé tomber. Donc, j'appuie, je peux le faire tomber. Autour des cercles, j'ai un petit espace. Lui, ici, il est à 2.5. Ici, j'en ai un autre à 0.3. Je peux l'enlever facilement. Ça me dit 0.4 dessus. Je peux encore l'enlever.
Je sais, lui, plus ça va, plus c'est difficile, plus c'est serré là-dedans. Donc, lui, même chose. Oups. Très serré même, je vous dirais. Mais je peux quand même l'enlever. Et puis, le dernier, vraiment, c'est à 0.2 mm. Je ne suis pas capable de l'enlever. Vraiment, c'est trop serré. Donc, 4 sur 5, je peux les enlever. Si on essaie avec la Ender, donc le premier, pas de problème. Le deuxième, plus difficile, mais quand même, je peux l'enlever. Le troisième, oui, on peut l'enlever aussi. Mais le quatrième, non. Le quatrième et le cinquième, impossible, je ne suis pas capable de les enlever. Pour ce qui est des pics sur le plateau, les deux donnent à peu près le même résultat. On peut voir que l'Ender est peut-être un petit peu moins bien, mais quand même, pas mauvais. On peut voir ici là le résultat de la Ender 3. Et ici, on voit le résultat de la Caméléon. Alors, c'est tout pour les tests. Si vous avez l'intention de fabriquer l'imprimante, vous allez sur rockprint3d.com. Et puis, amusez-vous bien. Bye bye!